Dans la saison 3 des Black Boots. Votre contrat a été renouvelé? Ouais, mais j'hésitais hein, parce que le budget. Ah, tu veux que je la production? Ah ouais! When you wait, when you stay, at least down to the sun goes down. When you come, I'll say. Hello, Dylan. Aujourd'hui, Ariana Grande a sorti une nouvelle chanson et descend dans 3 heures. Oui, et c'est notre première soirée d'amitié? 2 août 2018. Je me rappelle quand je suis cachée, je dis pourquoi elle filme. Elle veut soutirer des informations pour me faire du chantage. Mais c'était trop bien. Waouh, bravo, puis Hélène Attaille aussi. Yes. Montre ton tatouage. Ouais. Guys, on s'est fait tatouer. Moi j'ai trop hâte de mettre de l'highlighter, de colorier, mettre du liner, tout ça, parce que c'est un tatouage interactif. Tu peux changer la couleur des étoiles. T-shirt est sorti, c'est officiel. T'es iconique. Hashtag 2, ça a la peau. Je pleure de rire. C'est exactement la même scène qu'hier. Oui. Je sors du Starbucks, je rentre en trottinette, je vois mon père au même endroit qu'hier. On s'était même pas donné rendez-vous. Bah non. Et la seule chose qui a changé, c'est ta tenue. Ouais, voilà. T'as changé le t-shirt. Ah oui, regarde le t-shirt du jour du coup. Ouais, ouais, puis il peut être porté par... Même les gens qui me connaissent pas, ils peuvent le mettre. Voilà, ça c'est c'était vraiment... surtout ça le truc. Putain, mais je t'ai pas dit. Ouais. C'est une nouvelle caméra. Elle est cassée, c'est le... elle s'est cassée hier l'autre. Celle que je t'avais offert. Ouais. Jour 1 de vlog d'août, caméra elle est, cassée. Elle est cassée comment? L'écran il est tombé. Non mais on m'a porté l'œil. Il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort. Ah, jeté un sort. Vraiment, ça fait une semaine qu'on m'a jeté un sort. D'accord, bah ouais. Écoute, moi j'ai des trucs. C'est quoi? Chilaouch. Je fais ça 3 fois. Foule ma gueule. Non. Bon, on va passer des bonnes vacances, Nail. Oui. Toujours écrit, elle. Toujours écrit. Déjà. Coucou. Marc, c'est trop la merde. Pourquoi? Quoi? J'ai pas du tout commencé à filmer, je viens de finir le montage. Mais non, on peut pas continuer comme ça tout le mois d'août, tu sais. Mais je viens de finir à l'instant le montage de la première vidéo. Il est 18h. Ouais. C'est pas grave, plus égale moins. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 18h. Au top du top, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Parce que aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche, comme disaient les meufs, dans la maison du style sur Nintendo DS. Mais pourquoi c'est un jour à marquer d'une pierre blanche? Parce que pour la première fois de ma vie, j'organise une soirée qui va commencer dans 2 heures et rien n'est prêt. Yes! Quand j'étais petite, j'organisais des anniversaires, tu vois, mais c'était ma mère qui les organisait. Thème jungle, thème princesse. Là, le thème, c'est Bad Bitch. Pour fêter la nouvelle saison des vlogs d'août, l'anniversaire de 1 an de Bilena Dyes. Ça va faire 1 an que Bilal, Jeune et moi, nous sommes amis. On s'est rencontrés exactement à cette période pendant les vlogs d'août saison 2. Et depuis, on s'est pas lâchés. I don't want nobody stabbing me with love. Don't wanna waste no time getting my feelings hurt. I believe in those things we don't know much of. There's just so much to see that ain't about love. I'm ready to face my fears. I'm ready to taste the weird. I just wanna walk the hills above. Oh, vous êtes tous moches. Il y a la clique qui débarque à l'hôtel Mafouf. En 2 heures, on va devoir organiser une soirée sans rien. Yes. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu à mon image, YOLO. J'espère que ça va être sympa, j'espère surtout que les gens vont s'amuser. Et genre vraiment toute ma vie quand je vous dis que je n'osais pas fêter mon anniversaire quand j'étais plus âgée. Parce que ça m'angoisse tellement de faire une soirée. De t'occuper des gens, tu dois faire ci, tu dois faire ça. S'ils cassent quelque chose, je vais me faire tuer. Et s'ils cassent rien, c'est que la soirée était pas assez folle. Et s'il y a 3 à manger, bah après il y a 3 à manger. Mais s'il y a pas assez à manger, bah il y a pas assez à manger. Merci Sherlock. Là, on doit faire une résoie en 2 heures. Et ça va être trop bien. Et juste après, on part en boîte parce qu'il y a une boîte qui s'appelle le Gibus qui organise une soirée Kylie Minogue versus Ariana Grande, c'est la playlist. C'est parti, on y va. T'as déjà organisé des soirées? Allez, c'est parti. Ah, regarde comment nos doigts. Mais vas-y, de... mais... J'ai vraiment passé ma journée derrière cet ordinateur à faire ce fucking montage qui j'espère vous plaira. L'étape numéro 1, l'appartement est rangé. Toutes les fêtes que j'ai adoré faire, c'est quand il y avait des gadgets. All gadgets.
Gadget numéro 1, un ballon. Qu'il faut malheureusement gonfler à la boca, la bouche, ça veut dire. Je sais parce que j'ai regardé des Casa de Papel. Gadget numéro 2, encore des ballons. Là c'est marqué summer parce que le flower c'est le summer spring bitch. Le printemps c'est les flowers bitch. Pistolet à bulles. J'en ai pris 3. Mais qui n'aime pas les bulles? Phase obligatoire de toute soirée. Le beer pong. Une piñata. Et j'ai acheté une wig, genre Ashley O, pour la mettre dedans. Parce que j'ai des amis au goût assez spécifique. Et c'est pas genre des petits bonbons qu'ils veulent dans leur piñata de rêve. C'est des perruques et des micros. Yes. Ben, celle-là, elle est pour toi. Toutes les kermesses de toutes les écoles sont choquées. T'as des confettis? Non. Tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui fais le ménage après. Malaise. J'ai pas le temps de rester. 1-0. Poirée est sauvée grâce à ce ballon. Ah, ah, ah. Tain, tain, tain. On a un ballon à la soirée. Canapé des canapos. Ok, je vais vous raconter une histoire. Peut-être si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà cette histoire. C'est l'histoire du canapé rose. Tout a commencé un jour où j'étais sur brendaallée.com et je regardais les soldes mobilier. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai vu ce canapé rose qui me faisait rêver depuis tant d'années. Je le voyais sur Pinterest, par-ci, par-là, et je me suis dit, il est en solde, faut que tu le prennes. Sauf que j'ai pas d'appartement. Je l'ai commandé, sauf que brendaallée, genre, ça a pris genre vraiment 3 mois à me l'envoyer. Du coup, juste un jour, je rentre chez moi, je l'avais totalement oublié. Et je vois un carton énorme devant ma porte. C'était le canapé. Je ne l'ai toujours pas ouvert parce que si je l'ouvre, c'est foutu. Mais là, je crois que c'est le moment, c'est l'heure. Et si vous n'avez pas vu, mais dans l'introduction de ces vlogs, on voit le canapé rose. Parce que mon but, c'est de l'avoir pendant au moins ce mois d'août avant qu'il reprenne ses cartons. Tiens. Yay! Tu m'as mis ton meilleur vent. J'ai fait quoi? T'es grave parti. On arrive. Je gère la situation. Hashtag la situation. Quand je bouge, mes culs c'est wiggle wiggle. Comment un canapé aussi petit il peut être aussi lourd? Attends, prends par terre, prends le porte, viens, on glisse. Ah oui, mais on est con. Bah ouais. Hey. Depuis c'est le canapé de Friends. Y'a une bête. On ramène le canapé rose, c'est parti ma puce. Ah oui, alors lui par contre c'est bourbier. On a plein d'obstacles entre chaque pièce. Pourquoi elle achète des canapés, frère? Elle n'a pas de place. C'est les cartons de mon futur appartement. Mais elle... Vidéo du village. Oh, le con, il est lourd. Attends. Ça passe comme un petit pain à la crème. Ouais, c'est toi la crème. Attends. C'est quoi l'expression? Attends. Un petit pain à la poste. Attends. Oh mon dieu, c'est comme l'épisode de Friends. Pivot, pivot, pivot. On est en train de vivre l'épisode. C'est tellement Ross. Je suis trop chaud, je suis beaucoup trop chaud. Oh non, on a failli faire tomber cette très belle photo de moi. Il est trop beau. Ok, ok. Attends. Oh, wow. Il est trop beau. Maintenant, on passe à la... Comment on dit chambre en espagnol? La chambra. Nous avons un très gros problème, les copains. Couette est nue. Et sa housse de couette est séparée de la couette. Vous savez ce que ça veut dire? Les problèmes. Attends, bah, je prends les coins déjà. Ah, ils sont où, putain? Oui, bah quoi, Marc? Il n'y a plus de sortie. Mais toi qui t'as envoyé? Qui l'a envoyé? Ah, moi, je vais avoir les cheveux électriques, sa mère. Ça, je pense que c'est la longueur. Mais non, c'est la largeur. Moi, j'ai pas fait Sciences Po. Et l'autre coin? J'ai perdu un coin. Chambre rangée, salon préparé. Maintenant, il y a une préparation qu'il faut pas oublier. Celle de ma gueule. Ah! Oh! 3000 vues en 3 minutes. Mais wesh! Ah, tu m'as rien dit, c'est... Il y a les commentaires, les commentaires. J'ai de la poudre dans ma lentille. Merci. L'homme le plus stylé du groupe d'amis vient d'arriver. Avec du rosé. Hello! Antonin est un américain. On se fait des câlins, on se fait pas la bise. Oui, on se fait pas la bise. J'adore la porte. Ça va? Oui. T'as bien mes cheveux naturels? Alors, voyons déjà ce qui m'intéresse avant de mettre la pièce. Les lunettes, quoi, elles ont l'air difficiles à avoir. Ah, c'est horrible, c'est scandaleux. On dirait American Horror Story. Ah. C'est le problème avec les jeux, c'est pour ça que les gens ils deviennent accro au casino, genre. Ta gueule. Prends les lunettes. J'ai été scam par l'hôtel Mafouf. Je ne reviendrai plus séjourner ici. Les lunettes sont bloquées. Faites la vie. Je l'adore, c'est très bien. On va aussi fêter le premier vlog d'août qui vient de sortir à l'instant. Joyeux un an. Je suis là maintenant, regarde.
Comment? Alors comment? J'étais là. Monsieur Patrick. Assise et nue. Tu veux que je te montre un truc? Oui. Attends, j'arrive. Assise et... C'est la meilleure idée que t'as eu de ta carrière, ma vie. J'en veux un. Bah oui. Celui-là, c'est Singapour. Ouais, sold out. En 5 heures. Pour la saison 3. J'ai fait un effort pour le lancer. J'adore. Toujours déçu de ton agissement. Attends. Eyeliner assorti aux chaussettes. Enlève ta main. S'il y a des bonbons. My first kiss went a little like this. And twist. C'est mon tatouage. C'est mon tatouage. Elle, la meilleure photo. Ah, j'adore. Attends, on fait un vœu. Que ça dure encore 8 ans. Pourquoi 8 ans? 12 000. Attendez. Il y a des confettis? Non! Parce que c'est moi qui fais le ménage après. Teste, le test! Cambre plus! Quelle soirée! On commence bien les blagues de l'autre. Pourquoi tu fais un mètre? C'est quoi mètre? Un mètre? Un mètre? Un mètre? Un mètre? C'est les cheveux. Ah oui, ça tu fais. Sont beaux mes cheveux naturels. Ah bah ça, ça pousse du crâne ça. Hein. Ça c'est mon alter ego scorpion. Fuck life, YOLO. Toi c'était comment ta première vidéo, Léna? Alors ma première vidéo c'était un get ready with me. Idée de tenue pour la Saint-Valentin. Ça a beaucoup aidé les gens, est-ce qu'ils ont adoré cette vidéo? Non. Ah merde. J'ai eu 3 vues. 3 vues. Et regarde où tu en es maintenant. C'est pas beau la vie? C'est beau. On applaudit tous, Léna. Youhou. Encore, encore, encore. Encore? Oui. Encore. Alors, on fait un crash test, guys. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Monaco. Bière. Bière. Grenadine. Grenadine. Et limonade. Moi, j'adore le sucre. Du coup, je mets 7 bières. Et après, c'est vraiment grenadine et limonade. C'est pour ça que c'est si bon. Parce qu'il y a vraiment pas d'alcool dedans. Et tu sais pourquoi ça me plaît? Pourquoi? C'est rose, tout simplement. Chine. J'ai envie de me brosser les cheveux tous les jours. T'en rêves hein, des cheveux lisses hein. Ouais, et en même temps je veux des cheveux bouclés. Parce que toute mon enfance c'était pas normal, c'était pas à la mode comme Paola et tout. Mais moi aussi c'est horrible, j'ai mis du temps à assumer hein. Enfin ça a l'air débile mais c'est cool, hein. Lissé. Même quand j'allais au Monoprix tout pour acheter des shampoings, elle me donnait pas des shampoings pour avoir les cheveux bouclés, mais des shampoings pour avoir genre les cheveux qui se lissent. Putain, ouais, en mode faut qu'ils soient lisses. Ouais mais vraiment genre c'est là de... Les gens ils disent ouais t'assumes pas tes cheveux bouclés, mais c'est parce que vraiment ça fait genre 2 ans que c'est à la mode. Les 19 premières années de ma vie, c'était vraiment en mode Léna, Berk, moche. On peut en caser de là. Ah, caser de là. Ah, je hurle. Ah, j'ai tout niqué, sorry. Non, mais y'a rien. Vraiment, mes vlogs, y'a pas de j'ai niqué. Attends, je veux juste voir si mon trait de liner est encore. Je hurle. On a à peine lancé 3 confettis, Léna elle est arrivée avec l'aspirateur pour déjà ranger genre. On a fait 2 secondes de fête et hop, un petit coup de balai. Alors la situation, yeah. La Léna situation actuelle, c'est que on va en boîte à la beach party et c'est une soirée Ariana versus Kylie Minogue. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 2 générations totalement différentes. Donc notre génération, mais arrête. Un sportif quand tu parles maintenant, je sais pas faire un effort. Quoi? T'as fait quoi? Un peu tipsy et on est ready to go. Boom boom boom. Hello world. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shouting, naked better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice. Ain't my fault that I'm out here making news.
encore dans la boîte puisque la soirée vient vraiment de commencer. Vraiment. Mais moi j'ai un vlog à les monter. Depuis c'est sur un niveau 0. Je me reconnais pas là. Vraiment. Regardez là, avec son vélo. C'est vraiment une trop belle soirée, je suis trop contente. Je vous dis la vérité, j'aurais pu rester encore des heures à danser avec tous les copains. Qu'on va rentrer. Pour la première fois de ma vie, je suis en train de dead sa chacal avec une main sur le vélo, mon pote. Aïe 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 aïe. Bon, je viens de rentrer, je voulais vous montrer ma tenue avant que je me dessape pour me mettre en pyjama. Bon, c'est une robe, elle est quand même très osée, mais moi ça me fait plus peur, j'adore. J'aurais bien aimé qu'elle soit plus centrée à la taille. Je vais voir avec ma mère si on peut faire des retouches sur ce genre de tissu, je sais pas si c'est possible. Bon, il est 3h du matin, je vais me poser dans le lit avec le montage du vlog de demain. C'est ça la partie la plus longue en réalité. Et mon papa vient me chercher à 6h du matin, donc dans 3h. Bon, en tout cas, je suis ravie d'avoir fait ma première soirée, d'avoir organisé genre la première soirée chez moi comme ça. Et en fait je crois que la recette secrète et la raison pour laquelle genre avant ça m'angoissait tant, c'est que tout simplement c'était pas les bonnes personnes. Genre c'est toujours difficile de se trouver dans un groupe où tu dis là c'est sain. Je vous souhaite à tous un jour de trouver une amitié vraiment saine, ou alors une meilleure amie comme Solène et moi, ou genre c'est même plus une amitié mais c'est vraiment genre ça fait partie de la famille, finit toujours par arriver. J'espère que ce vlog sera posté à l'heure. J'espère que le t-shirt du jour vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself.